Hello. Alors, aujourd'hui, je te présente le lit parapluie ou lit de voyage plutôt, Instant de la marque Aeromove. Alors, tout le monde l'appelle Aeromove. Donc, voilà. Un lit parapluie super top. Donc, qui se porte en bandoulière ou ici. Mais je trouve pas ça super pratique. Bon, ça peut être pratique pour le. Pour l'attraper si besoin. Bon, bref, il est un petit peu grand quand même, hein. Il prend un peu de place niveau largeur, enfin espace quoi. Sinon, non, niveau largeur, il est plutôt fin. Voilà. Donc, niveau poids, il fait moins de 5 kg. Donc, honnêtement, il est super léger, super pratique pour ça. Sortons la bête. Alors. Donc, hop, tu vois, ici, là, tu peux fermer comme ça. C'est très pratique. Tu vas voir pourquoi. Sortons-le d'abord. Hop. Le matelas d'une part. Tac. Et le lit. Voilà. Alors, on dit qu'il faut 2 secondes pour le déplier. On va dire un peu plus s'il faut descratcher ça. Mais sinon, honnêtement. Voilà. C'est très rapide. Je ne peux pas dire le contraire. C'est comme les temps de quechua. Voilà. On met ensuite le petit matelas qui va bien. Hop, voilà. Je me suis montrée. Voilà, super simple à mettre. Voilà, ensuite tu vas récupérer ton bébé, tu lui mets une partie berceau. J'en parlais sur mon article. En fait, tu as juste à mettre ce petit plastique à mi-hauteur. C'est-à-dire ici, et le lit est un peu surélevé. Et ça, c'est top pour quand ton bébé est plus petit et qu'il ne s'assoit pas encore. Mais tu vas me dire, qu'est-ce qu'on va voir comment on fait. Bon, c'est pas dur. Tu enlèves cette partie ici, et surtout qu'à ton matelas plus petit qui vient se mettre à mi-hauteur. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Pas hyper bien en vidéo. Alors, pour déplier, enfin pour replier ce bidule plutôt, tu vois, tu as des push-push ici. Alors, que je fasse pas trop ma décasse. Tu pousses ici. Et hop. Voilà. Tu appuies là où c'était marqué l'appui, en fait, tout simplement. Et puis là, tu rattaches ton lit avec les petits scratchs. Hop, là. Et le deuxième, ici. Voilà. Ensuite, tu le remets dans ton lit, dans sa sacoche. Pardon. Alors, là, tu vas comprendre pourquoi. C'est bien pratique. C'est bon, je te parlais au début. C'est parce qu'en général, les lits parapluies, il faut les remettre dans leur sacoche, c'est tout de chiant. Hein. Et bien là, c'est bien pratique. Parce que comme c'est extensible, tu as largement la place de le mettre sans que tu aies à serrer et tout, que ce soit tout compressé. Voilà. Et tu remets ton matelas dedans. Super simple. Hop, tu vois. T'as plus qu'à refermer et repartir de chez tes amis ou de chez papy-mamie ou de je ne sais où. Ou en lit d'appoint, c'est très bien aussi. Voilà, donc je trouve ce lit parapluie, enfin au lit de voyage plutôt, vraiment super top, très pratique. Je trouve qu'il va très bien si tu veux partir en voyage, en train. C'est plutôt pas mal, papa peut s'en servir. La sangle est réglable.
Son prix, eh bien, figure-toi qu'il est à 150 euros à peu près, ce qui n'est pas hyper cher pour la qualité de ce produit. Donc voilà. Si tu veux d'autres infos, tu peux aller sur mon blog www.maudemaban.com. Bye bye!